Bonjour les amis, aujourd'hui on est à Barcelone. Barcelone est une ville très magnifique et il y a plusieurs fondations telles que la Sagrada Familia. Aujourd'hui on va y aller au parc Güell. Donc on a emprunté des chemins très dangereux. Ils font que tourner et monter. À Barcelone il y a plein de rues dangereuses comme celle-ci. C'est l'une des rues les plus dangereuses du monde car elle ne fait que monter. La rue est dangereuse car c'est une rue très étroite et serrée. Et en plus, il y a des voitures et des camions garés à côté. Je vois pas comment ils ont fait pour garer leur voiture ou camion car c'est très dangereux. Ces rues sont que à sens unique. Donc on ne peut pas revenir dans ce chemin. Si on doit revenir sans GPS, on doit faire le tour de la ville pour revenir dans cette rue. Dans cette rue, même des bus ne peuvent pas passer. C'est exactement la bonne distance pour qu'une voiture puisse passer. Car il y a plein de motos, des voitures qui sont garées juste à côté. On avait grave peur de monter dans cette rue car à tout moment la voiture pouvait s'arrêter ou bien reculer tout seul et se coller à la voiture de derrière. On montait des rues dangereuses comme celle-ci, mais on faisait aussi tourner à droite et gauche, et ces rues aussi il faisait que monter. Il n'y a que 7 rues pour aller au parc Güell. Tellement la rue montait haut, on faisait qu'appuyer sur le frein. Il y a des rues qui sont bien dans les centres-villes de Barcelone, mais la rue pour emprunter pour aller au parc Güell est très dangereuse. Et tous les gens qui viennent au parc Güell, ils doivent planifier leur parking parce que il n'y a pas assez de parking là-bas. Et tous les parkings autour du parc, ils sont tous payants. Et pour visiter tout le parc, ça va prendre au moins un jour. Si vous voulez garer à une place libre et que vous l'avez laissé, il faut que vous fassiez le tour de la ville pour revenir à cet endroit car c'est une rue à sens unique. Et même si vous allez faire le tour de la ville et revenir à cette place, il y aura déjà quelqu'un qui aurait mis leur voiture et garé. Donc ça prend aussi une heure pour revenir à cette place. Si vous voulez vraiment faire plus simple, vous avez qu'à garer votre voiture en ville et venir dans le bus public jusqu'au parc. Ou bien prendre un taxi car il y a plein de taxis qui viennent devant le parc. Si des gens viennent visiter Barcelone, vous êtes obligé de visiter tout Barcelone puisque les rues font que tourner et on doit faire tout le tour de la ville pour arriver à un endroit précis. Nous c'était pareil, pour aller au parc Güell, on a que fait tourner dans des rues, etc. En Europe, à Barcelone, il n'y a pas de neige. Et si le climat change et qu'il y a de la neige, les voitures c'est très difficile à garer. De plus, les rues qui montent, etc. Si quelqu'un glisse dans ces rues pendant qu'il neige, vous glisserez toute la rue, tout le long de la rue. Heureusement qu'il n'y a pas de neige.
ఎక్కడికి వచ్చి ఎక్కడికి వెళ్ళవచ్చు.